J'ai entendu que Marine Le Pen va devenir président. Eh wallahi. Il a dit qu'il va chasser tous les hommes de couleur. On va faire comment? Il va chasser comment? Comment ça il va chasser? Comment il veut qu'on dégage? Elle a dit qu'il y a chômage en France là, c'est à cause des immigrés. Elle raconte n'importe quoi. Mamadou. Moi je vais pas partir. Je vais rester. En France tu galères. Vous voulez rester pour faire quoi? En France là, en 2017 ça va être la merde wallahi. N'importe quoi même. Eh? La France là. Tu sais pas que la France est pire les pays africains? Alors pourquoi Marine Le Pen dit que nous on a qu'à dégager de la France? Est-ce que même si nous on a qu'à dégager, la France va arrêter de piller l'Afrique? Et le France va, est-ce qu'ils vont arrêter hein? C'est ça que le français il comprend pas, que nous on veut rester chez nous. Mais oui, si les Africains viennent en France, c'est pour fuir guerre et misère, organisé par qui? La France doit dire la vérité aux Français. Il n'y a aucun candidat qui va dire la vérité à la télévision wallahi. Jean-Luc Mélenchon il a dit la vérité. Même Mélenchon là, il dit ça pour qu'on a qu'à voter pour lui. Oui. Moi je vote pour personne. Et tous ils font des promesses pour qu'on a qu'à voter pour eux. François Fillon c'est même politique que Sarkozy. Ça c'est les héritiers de la France-Afrique. Il faut voter pour quelqu'un de neutre. Tu crois peut-être Macron il est neutre. Même Benoît Hamon c'est pareil. Toi tu vois le mal partout. Si tu veux rentrer, rentre. Tout ça pour les allocations familiales. Je n'ai tous pas les allocations familiales. Regarde comment je suis vieux, tous mes enfants sont partis. Les jeunes gens aussi ils veulent pas travailler tout le temps, accuser les autres, accuser les autres. Les Français doivent comprendre que nous, on n'est pas là pour allocation. La France supporte beaucoup de dictateurs en Afrique. Ils arment les dictateurs. Et en contrepartie, ils prennent toute la richesse. Cuivre, or, diamant et minerais pour la haute technologie. Ils prennent ça gratos. Ils en vendent même des guerres, comme en Libye. Les Africains doivent se prendre en main. Le salut de l'Afrique ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est les Africains eux-mêmes qui vont sauver l'Afrique. Le problème c'est que beaucoup des Africains ils sont en train de rêver croyant que le bonheur c'est ailleurs. Ça fait vraiment mal dans mon cœur. Wallahi billahi. Vous aussi les Africains au lieu de travailler vous montrez vos fesses dans les réseaux sociaux et dans Facebook. Écoute-moi, si tu vois tes copains là, dis-leur d'arrêter de faire n'importe quoi dans les cités. Il y en a qui font n'importe quoi wallahi. Il faut arrêter de jouer aux délinquants. Après Marine Le Pen, il met tout le monde dans le même sac. Tu veux que les jeunes font quoi? Il n'y a pas de boulot. Même si tu as diplôme, ils ne vont pas te donner à cause de ton couleur. Il faut arrêter de fumer moquette. Moi, je ne fume pas moquette, je fume de l'herbe. Tu ne vois pas mon couleur. Mamadou, t'inquiète pas, on va rester. Nos grands-pères se sont battus pour la France. Faut que le FN. Tiens, dans son gueule. On ne va pas partir, on va rester. Vive la France.